Alors dites-moi, est-ce que vous arrivez à voir l'écran avec moi? C'est bon? Ok, très bien. Alors on s'est arrêté à l'exercice numéro 3, l'exercice numéro 2 d'Alnayak, c'est bon? Oui, on a fait. Alors on va lire l'exercice numéro 3, on va l'expliquer. Alors vous savez, Rolcom, une classe contient 200 places. Est répartie en 10 rangées et 20 colonnes. Chaque élève, donc je vais schématiser ça ici, mais allez, on va continuer. Chaque élève possède un numéro entre 1 et 200. Lors d'un examen, on place les élèves sur les places selon leur numéro, en commençant par la première rangée. Attendez, je vais expliquer, je vais accepter. En commençant par la première rangée, puis la deuxième, et ainsi de suite, comme le montre le tableau suivant. Donc, pour résumer ça, regardez, Handcom en fait 10 rangées, sur chaque rangée, Kane 20 colonnes. Donc, si je veux schématiser ça, pour comprendre la question, il faut bien comprendre la question pour pouvoir répondre. Donc, je vais prendre ça. Handcom en fait. Comme en fait une classe, okay, comme une classe comme ça, fait en fait des chaises, chaque chaise table, chaque voilà, donc comme des chaises comme ça, qui sont chaque rangée, fait a 20 chaises, d'accord, comme de 1, 2, tel 20, ok, et donc. Une rangée, en fait 200, en fait 10 rangées. Donc 10 rangées de 20 chaises. Donc le numéro 1, chaque joueur, il est réparti de cette façon. Donc le joueur, monsieur joueur, l'étudiant plutôt. Donc l'étudiant ici, il tape le numéro 1 ici, qu'un étudiant numéro 2, le numéro 20 ici. Ensuite, le prochain, donc le 21, Ibn, d'accord. Et tac, 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 hatta numéro 40, la chaise numéro 40. Ok. Et ainsi de suite. Hada est le principe. Vous avez compris. Donc, Houma, la classe, elle est organisée de cette façon. Donc, maintenant, on va aller lire la question chez troll. Donc, écrire un algorithme qui prend en entrée un entier entre 1 et 200, puis affiche quelle rangée et quelle colonne l'élève doit se placer. Par exemple, si on dit le numéro 35, l'élève win il trappe la deuxième rangée, alors, ok, il est là, et il est à la colonne numéro 15. Il est à la colonne numéro 15. 35, il est là, il est là. 35, ensuite 36, ensuite 38, 39 et 40. Donc là, il y a la question. Vous avez compris. Donc il faut écrire un algorithme. T'as le numéro de l'étudiant. Où est-ce que quelle est la rangée de la Hofer et quelle est la colonne de la Hofer. Donc là, la réflexion qui se pose, c'est que vous devez voir le tableau et voir quelle est la relation entre les chiffres. Là, c'est une réflexion, hein? C'est la réflexion logique. Le 40, où est-ce qu'il y a la relation avec le chiffre 20? Où est-ce qu'il y a la relation 35 avec le chiffre 20? D'accord? Il y a un truc ici. Donc là, il faut réfléchir de cette façon. Donc je vous donne 10 minutes ou là un peu moins pour réfléchir à une solution. Vous avez compris là le problème déjà? Tout le monde a compris? Non, monsieur, tu peux répéter. Alors, Hana, je répète, comme une classe pour organiser un examen. Fais 200 élèves. Monsieur, Oui. désolé, quel est Miss Now? On attend pour s'accepter Ah, en mars. d'accord, bien sûr. Je vais aller les Monsieur, on accepter. est pas de la plus D'accord, ça. D'accord. Donc on explique le problème en bas. Merci. Je vous ai aussi envoyé la réponse en mail. D'accord. Alors, Hana, je répète pour celui qui m'a posé la question qui n'a pas compris. Donc, il y a une classe de 200 élèves.
là, on est en train d'organiser la classe. Couloir dans une chaise terre. La chaise, elle est définie par son numéro. L'élève, qui a 200 élèves, qui a l'élève 1, tel élève 200. La classe, elle est organisée de cette façon. Chaque rangée, qui a 3 sauf, qui a 10 sauf, chaque sauf, qui a 20 tables. Ok? Donc, l'élève, il est placé comme ça. Le numéro terre, il tape. Il y a la rangée numéro 1. Il y a par exemple l'élève numéro 2. L'élève numéro 2 est dans la rangée 1, la colonne numéro 2. Ça y est? L'élève numéro 22 est dans la rangée numéro 2, la colonne numéro 2. Et ainsi de suite. C'est le même principe pour les autres. Est-ce que tu as compris? C'est lui qui m'a posé la question. Oui, monsieur, oui. Voilà, donc là, essayez de réfléchir à une solution. Tu vas demander à l'utilisateur, il met le numéro de l'élève. Et toi, tu vas lui donner la place. Yani, tu vas lui donner la rangée ou tu as la colonne. Par exemple, 22. Ça, c'est le numéro 22. Ou chez nous, la rangée, c'est le numéro 2. Ou la colonne, c'est le 2. Est-ce que tu as compris? Oui. Voilà. Donc, Adéa, je vous donne quelques instants pour réfléchir. Monsieur, et Mais Hamsh, t'es l'essentiel de ce soft tech. Alors, il fait 20 tableaux et la colonne, c'est Hadouhuma. C'est pas important, hein? D'accord. Ah oui. Alors, je vous donne quelques minutes, hein? Et on revient. Je vais arrêter le partage pour quelques minutes. Et rappelez-moi, s'il vous plaît, rappelez-moi toujours de reprendre l'enregistrement. Parce que parfois, on dépose, on va être ça de reprendre. Donc, je vais partager l'une des solutions que votre camarade m'a envoyée. Donc, je trouve le premier libatli, je vais voir. Alors, c'est. Bon, il y a quelqu'un qui m'a envoyé, mais c'est pas clair. Attendez. Alors, Mohamed Idriss. Mabanich, au début. Ah, il a envoyé deux fois. Alors, je vais partager l'écran. Donc, il a donné une solution. Il y a plusieurs façons de faire, hein, je vous rappelle. Est-ce que tout le monde arrive à voir l'écran avec moi? Oui. Alors, chauffez votre camarade, qu'est-ce qu'il a fait? Il y a aussi l'un de vos camarades, il m'a envoyé une solution avant le TD, donc on va la voir. Donc, regardez. Donc, écrire votre numéro, c'est la première action. Donc, il va lire ensuite le N. Et, répéter jusqu'à ce que N soit supérieur à 0. D'accord. Voilà, il a utilisé une action répétée pour vérifier, en fait, que la note, que le numéro soit supérieur à 0. Ensuite, il a utilisé... Le K vaut, donc il a utilisé KN vaut. Donc si c'est. C'est pas comme ça qu'on fait, hein, Idriss. Atfakar, c'est pas comme ça qu'on fait. Qui peut lui corriger? Qui fait je connecte beau en K? En 2 points. Voilà, c'est 2 points, c'est pas A. Ça, c'est faux. Mais la réflexion, elle est juste. Alors, on va continuer. Donc, il y a pour rectifier la zentiktib 1, 2 points, 20. Alors, si c'est. De 1 à 20, alors il met R, la rangée, c'est la première rangée. Et il donne le K égal à N. Naturellement, le K, c'est la place, c'est la colonne. Donc, c'est la première rangée. Donc, naturellement, 1, 2, etc. Ensuite, de 21 à 40, la rangée, c'est la deuxième. Et il donne le K, c'est N moins 20. C'est ça. Donc, parce que N moins 20. Oui, N de l'air. C'est ça, c'est ça. Le canicon n'est pas 11. Le canicon 11. Non, le 11 est la première rangée. Hein. Attention. Le 11, il est là. Ah oui, oui. D'accord. Le canicon est de 35e à l'exercice. Donc, le 35, il dit deuxième cas. La rangée, c'est la deuxième rangée. Et le cas, c'est 35 moins 20, qui est égal à 15. Donc, c'est correct. Donc, où est votre camarade ici? Il est correct, globalement, il est correct, oui. Mais on peut faire beaucoup mieux que ça. Alors, on va voir les autres solutions. On peut faire beaucoup plus simple que ça. Ça reste une solution qui est correcte quand même. Hein. Donc, on va voir, est-ce que notre Monsieur, camarade... Oui.
فهذه هذيك جوسكا ان سوبيريور ا زيرو منين جات؟ لا وعلاش نديروها؟ هو دار هو فوالا بون كيستيون. هو دار ريبيتي هاي ليكلاكسيون جوسكا اسكو ان سوا سوبيريور ا زيرو. معناتها اذا كان يمد لك اون فالور انفيريور او ايكال ا زيرو يقعد يريبيتي له جوسكا اسكو l'utilisateur donne une valeur positive. Alors, tu peux aussi la raffiner, Naya, Idriss, hein, une valeur positive et aussi une valeur qui est inférieure à 200, inférieure ou égale à 200. Parce que qui met Oui, les monsieur. qui met les 201 ou les 250 ou là, ça n'a pas de sens aussi pour cet exercice. Non, D'accord? فهمت. أنا اللي شو عملت ده تدت والله ذا فما ما عودش طليت عليه ماما. D'accord, mais l'essentiel, c'est une la réflexion, elle est correcte. Pour cet exercice, elle est correcte. Mais on peut faire beaucoup mieux que ça. Alors, on va voir est-ce que un autre camarade a fait ça. Alors, on chauffe la mise. Oui, qu'est-ce qu'elle a? Bon, le même principe. D'accord, donc il y a elle a mis la colonne, c'est n mod 10. 10, pourquoi 10? Pourquoi n mod 10? Est-ce que c'est correct? Non, je crois pas que c'est correct. Non, non, je pense pas que c'est correct. C'est pas n mode 10, hein, la colonne. Hein. Monsieur, je vous ai aussi envoyé. Asnajoujou, Monsieur, oui. c'est où le mode? C'est le mode, c'est le modulo, c'est le reste de division. Alors, on chauffe votre camarade. Oui, qu'est-ce qu'il a proposé? Alors, on chauffe Hanaya. Pourquoi il a utilisé les deux cas? Alors, Hanaya. Algorithme, donc lire n, si n est supérieur à 0 et inférieur ou égal à 200, alors, ok. Donc, le b, c'est le n mod 10. C, c'est le n moins b divisé par 10. Voilà. A, c'est mode. C'est qui a fait cette solution? Qui peut nous expliquer vite fait? Parce que ça. Monsieur, donc j'ai commencé par les colonnes, par définir la colonne. Donc Oui. Oui. il rentre un nombre n, qu'il soit entre 1, 0 et 200. Oui. Par exemple, on prend 35. 35. On le divise, le mode 10, ça va donner 5. On back. Puis, c'est n, je veux, genre, je veux prendre le wahadat tout seul et l'ashara tout seul. Je vais prendre le 30 et le 5. Chacun de son côté. NB. 5R, on back. Que tu divises par Parce 10. que. Puis, j'enlève le 5. T'enlèves le. J'enlève le 5 et je divise par 10. Pour avoir le T'as 30. que 3. T'as que 3. Ah oui, il y a 3, je veux dire. Je veux avoir le chiffre sur la gauche et le chiffre sur la droite. Comment ça le chiffre sur la. Alors, attends, je vais me le mettre. Chauffe. Index 3. On va dire index A reçoit C mode 2. 3 mode Modulo 2. 2. C'est 1. Oui, c'est 1. Eh? Où je vais dire 1? Donc, ce que je vais faire, parce que qu'est-ce que j'ai marqué C'est dans la le tableau? rangée. C'est la J'ai rangée. divisé. Non, ça c'est la colonne. J'ai pas encore commencé la rangée. Le tableau, j'ai divisé en trois parties. La première partie, j'ai remarqué que c'est des chiffres, genre 35, 35, 55, et comme ça, genre il y a 3. Genre, c'est un chiffre impair. D'accord. Bon, enfin, j'étais pas bien compris, mais vas-y, continue, chauffe. Donc, Là, le tableau, j'ai faut se divisé en trois concentrer. parties. Le tableau, j'ai divisé en trois parties. Oui. La première partie, c'est de la colonne 1 jusqu'à 10. Jusqu'à 10. Oui. Puis de 10 jusqu'à 19. Pourquoi t'as Puis fait. la 20e. D'accord. Mais pourquoi t'as pensé à faire ça? J'ai trouvé une Cela relation comme ça. C'est un petit peu compliqué, hein. Ben là, que ça peut être correct, mais c'est un peu compliqué. Alors, Oui, ce je l'ai compilé, ça marche. J'ai utilisé un compilateur et ça marche. Très bien. B égale 0 et A égale 0, alors écrit colonne 20. Donc, qu'est-ce que j'ai remarqué? Entre 1 et 10, le nombre de hasharat est impair. Je ne sais pas comment dire en français. Impair, ça veut dire. Genre, Impair, c'est. Oui, impair. non, je veux Ben. dire l'hasharat, comment dire en français? Les 10, les 10. Ok? Les 10. Et 10 est impair. Par contre, entre 10 et 19, ils sont pairs. Par Ouais. contre, le 20, il y aura une répétition. Donc, ce que j'ai D'accord. fait, déjà, j'ai enlevé b est égal à 0 et a est égal à 0. Ce que ça veut dire? Ça veut dire que sur le côté, c'est un 0, genre 30, 20, 40, etc. Mais il faut que le 10 soit pair. Pour qu'il soit dans la colonne 20. Parce que ce que j'ai remarqué, dans le 20, il y a 20, 40, 60, etc. Jusqu'à 200. D'accord. Enfin, ça peut être correct, hein. Là, parce que là, je suis pas. Il faut qu'on soit concentré avec toi.
en distanciel comme ça, toi tu parles, là on n'arrive pas à suivre ton Mais raisonnement c'est pour bien, ça que mais c'est ça bien. peut être correct. Tu as l'air d'être Oui, sûr j'ai d'avoir fait. compilé. Tu as J'ai l'air. utilisé une application de compilation d'algorithmes Très et ça bien. fonctionne. Très bien, très bien. Si ça marche, très bien. Alors on va voir une autre solution, Taharos, qu'est-ce qu'il propose. C'est le même principe. Voilà. En fait, c'est Gather to Kavo, mais il y a beaucoup, beaucoup plus simple. Alors je vais voir. Monsieur. Oui. Alors je vais voir, il y a quelqu'un, Monsieur, je me Hana. rappelle pas où je suis allé. Attends, on va voir la Hana, solution. Où est-ce que Où est-ce que Celui qui Ayo. a. Alors, Ayoub, voilà. Alors, Ayoub, il m'a envoyé une solution qui est très simple et on va la voir là tout de suite. Qui est très très simple. Alors, je vous mets ici la solution de Ayoub. Alors, je vais essayer de zoomer. Mais dis-je un zoom, un zoom. Alors, je vais zoomer comme ça. Alors, regardez tous avec moi. Alors, chauffe-vous. Alors, je vais lire le N. Le N, si N est supérieur à 200 ou N est inférieur à 200, alors écrire incorrect. Sinon, d'accord, ouais, il a choisi de faire ça. Sinon, il a qu'un N supérieur égal à 1 et N inférieur égal à 200, alors, en fait, j'ai ici, il va utiliser ça. Donc, si N mod 20 égale à 0, wesh ma'naha que c'est quoi? C'est les chiffres hadouma. Le N mod 20. Donc, je reviens, en fait, tout de suite à votre. En fait, c'est les chiffres hadouma. Le N mod 20, c'est la dernière colonne. C'est le 20, 40, 60, 160, 80, etc. jusqu'à 200. D'accord? Maintenant, c'est C'est la quoi dernière. le mode? Le mode, c'est le reste de division. Quand je mets N mod X, c'est le reste de division de N par X. Par exemple, entre les 5 mod 2. Chal 5 mod 2. Chal le reste de division. C'est 1. Saha. Le 20 mode 20. Chal le 20 mode 20. Chal. Zéro. C'est un 0. Le 40 mode 20. Zéro. Voilà. Donc c'est ça. Alors, le mode. Alors là, je reviens vers la solution pour la continuer. Donc, votre camarade, il a fait ça. Donc, si n mode 20 égale à 0, maintenant, je suis sur la dernière rangée. Donc, le R, c'est quoi? C'est la rangée. C'est le n div 20. D'accord? C'est le n divisé par 20. Il atteint en fait exactement la rangée de l'année ferra. Et la colonne, c'est 20. Donc, imagine, il y a par exemple le 20. Il n'y a qu'un le 20. La rangée de l'année. C'est 20 divisé par 20. Et ou 1. Le 40, c'est la rangée de l'année. Le 40, c'est la rangée de l'année. C'est 20, c'est 40 divisé par 20, qui est égal à 2. Le 200, c'est la rangée de l'année divisé par 20, c'est 10. Donc, hadouma les nombres qui sont à la dernière colonne, qui nous qu'smouhom ala le 20, y'atini la rangée. Vous êtes d'accord avec ça? Est-ce que tout le monde arrive à suivre? Oui, monsieur. Ça. Sinon quoi? Sinon c'est si c'est pas un chiffre qui si c'est pas un nombre qui est à la proximité, je veux dire à la dernière colonne, la rangée c'est quoi? C'est le n div 20 plus 1. Si tu vois la relation, tu as les chiffres. Chauffe, il y en a par exemple le 22. Ou là, on va prendre le 35. Le 35. Le 35, il est là. Le 35 divisé par 20, chal. La division entière. Hein? Chal, la division entière. واحد ou le reste 15. Wahed. Le reste 15. Donc la rangée TAO, c'est quoi? C'est le résultat de la division plus 1. D'accord. Si tu prends n'importe quel exemple ici, prends par exemple 60. Hakda. Hna chhal kain 41. Ako maya. 41 divisé par 20, chhal. Deux, le reste 1. Le 2, le reste 1. Le reste, on bat hna wesh ndir? Le 2 plus 1. C'est la rangée numéro 3. Oh, d'accord. D'accord? C'est la relation entre les chiffres. Donc hna ya. Je reviens ici. La solution. Donc sinon, il y a quand même un cache la colonne. Donc, le R, c'est le N div 20 plus 1. Et le C, la colonne, c'est quoi au fait? C'est le reste de division de N par 20. C'est tout. Donc imagine, le 22. Je fais le reste de division TAO par 20. Deux. Et là, il y a la colonne 2. Mmh.
Le 21, je le reste de division par 20. 1. C'est 1. Si je prends par exemple le 41, le 41 divisé par 20, le reste de division t'as, C'est 1 toujours. vous avez compris? Le 35, le reste de division t'as. 15. Donc il est à la colonne numéro 15. Le 35, il est là. Est-ce que vous avez compris ça? Est-ce que vous avez compris cette solution? Oui, monsieur. Oui, Voilà, monsieur. c'est une solution extrêmement simple qui répond extrêmement bien à l'exercice. Vous avez compris? Donc, Monsieur. à la fin, la rangée, c'est le R et la colonne, c'est le C. Parce qu'il y a un des deux cas, un des deux cas distinctifs. Un des deux cas où il y a le chiffre, la 20e colonne. Donc, c'est la colonne numéro 20 et la division et la rangée, c'est la division stricte, sans rajouter le 1. Les autres chiffres, la division, un 1 et la colonne, c'est le reste de division. Est-ce que vous avez compris? Monsieur, si on prend par exemple 185 sur 20, 185, oui. c'est division, reste division entière, c'est 9. 185, alors non. Oui. 180, Donc, 185 185, il est à la colonne 185 sur 20. divisé par 20. Oui. Chal? Ça donne 9,25. Non, c'est 9. C'est 9, oui. Chal, le reste, c'est 5. 25. J'ai 25. Non, Ah, 5. C'est c'est 5, 5. 5, oui. C'est Non, j'ai 5. croyé la virgule. D'accord, c'est 5. Donc, Naya, Oh, c'est la rangée numéro. C'est 9 plus 1, Rona. oui, C'est la rangée numéro 10. Et quelle colonne? C'est 5. C'est bon, Oui, ça? neuf. Ça marche? Oui. Monsieur. Oui? Monsieur, quelle est une autre solution? Oui, quelle est l'autre solution? Il y a plusieurs Les solutions. rangées. Ndero les rangées le KNVO ou la colonne ndero tant que. Tant que, LH, comment tu vas le faire? Ndero tant. Ndero la variable n, c'est le numéro limite de Hua. Ndero tant que, avec le numéro est plus grand que 20, n reçoit n moins 20. La solution, ben allez, il faut la voir. Écoutez bien, chaque solution peut être correcte, il faut la suivre. Lazim chouf le cheminement. Donc, il a indiqué la solution, ben on va la voir. Est-ce que vous avez compris la solution qu'on a fait ici? Oui, monsieur. Monsieur, la solution est à couche Hadi est la solution, qui est votre camarade? C'est la solution la plus noire. simple. D'accord? Avec le cas vaut, ça marche, c'est pas un problème. Mais c'est une solution qui est un petit peu longue. C'est Oui. bon? Vous avez des questions? Monsieur, veuillez nous remontrer le corrigé de Ayoub. Comment? Nous remontrer le corrigé de Ayoub, je ne Je comprends pas. vais vous l'envoyer. C'est la même solution que j'ai. Hein. C'est la même solution que j'ai. Alors, Hanna, voilà, il est que la solution. Est-ce que tu as des questions? Non. C'est bon? Alors, si vous n'avez pas de questions, la solution, je vais vous l'envoyer. Hein. La solution Andy, c'est la même que celle-ci. Et je vais vous l'envoyer. Alors, Hanna, on va passer à l'exercice numéro. Donc, si vous n'avez pas de questions, on va passer à l'exercice numéro 4. Alors, on va passer à l'exercice. Monsieur, Oui? il y a 10 étudiants qui attendent Qui pour attend? les accepter. D'accord. Où on a un maquage? Il n'y a pas de demande. Hein. Qui dit la demande à Oudé? Qui dit la demande Kololi? Alors, on va continuer. Donc, s'il n'y a pas de questions pour l'exercice, on va continuer. Donc, je répète encore une fois. En algorithmique, il n'y a pas qu'une seule solution qui marche. Vous pouvez avoir plusieurs solutions, plusieurs raisonnements sans problème. L'essentiel, que ce soit cohérent et que ça répond aux besoins de l'exercice. Maintenant, on va passer à l'exercice numéro 4. Alors, l'exercice numéro 4, il est extrêmement facile. Donc, normalement, tout le monde devrait pouvoir le faire. Alors, il vous dit écrire un algorithme permettant d'afficher le type de médaille obtenue par un athlète. Or, argent, bronze ou pas de médaille suivant sa position dans la compétition. Donc, la solution à l'exercice, elle est extrêmement facile. Je vous donne 2 minutes, 3 minutes pour me donner une solution. D'accord? Vous avez compris l'exercice? Oui.
D'accord. Donc, là, c'est juste des comparaisons et des instructions conditionnelles que vous allez mettre en œuvre. Je vous donne 2 minutes et on va reprendre. Je vais mettre pause, hein. Alors, allons-y, on va reprendre. Est-ce que quelqu'un a une solution? Est-ce que quelqu'un a une solution? Ah, alors on va reprendre. Je pensais que vous m'entendez, le micro était coupé. Est-ce que quelqu'un a une solution? Ok. Alors, je maintenant Souhil Mamri. Alors, voilà. Donc, je vous mets à la solution de Souhil. Est-ce que tout le monde arrive à voir l'écran? Dites-moi, s'il vous plaît. Oui, monsieur. Oui. Alors, voilà, l'algorithme met die, P, entier, etc. Début, introduire la position de l'athlète. Donc, lire P. Donc, K, P, vaut. Donc, si c'est 1, écrire or. Si c'est 2, écrire argent. Si c'est 3, écrire bronze. Sinon, eh ben, écrire tout simplement rien. Et on a fin K. Donc, là, vous pouvez faire l'exercice avec le K vaut, comme vous pouvez voir ici. Ou bien, vous pouvez le faire aussi avec les instructions Merci, conditionnelles. Si, merci. alors, sinon. Si, alors, sinon. Voilà, ça marche aussi. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Monsieur, Oui? أنا ما عمري سؤال. كي درت في البروغرام قال لك سينو غلطة. Mais ne tape pas sinon, attention, programme c'est pas sinon, c'est default hein. Et c'est pas caveau hein, c'est switch. إيه خدمت فوت. بسي. آه درت كاف. خدمت avec le programme avec qu'est-ce que tu as utilisé comme programme? ألغو. Non, non, تليفون. le C. Tu as utilisé le C. آه. لا مش كاينة واحد لابليكاسيون اسمها ألغوريتم Ah, تكتبي d'accord. فيها الألغوريتم ويقول لك إذا كي صحيحة ولا لا لا ميم أنا لا ديغنيغ فوا كي درت Ah, في je connais الكافو pas. سينو ديرو لي إيغور Il faut voir la syntaxe qui fâche. Le C, ça peut marcher parfaitement. Le C, vous allez voir ensuite, bad kit, chouffou, les switch case. Ça marche parfaitement. Il faut respecter la syntaxe avec le programme. Je ne sais pas. Bah, comment selon. Il faut voir est-ce que c'est selon. D'accord. Il faut suivre. Là, je ne connais pas ce programme-là. Je vais jeter un coup d'œil. Alors, est-ce que vous avez des Monsieur, questions? je Bien sûr, bien sûr. Il n'y a aucun souci. Il y a 2 points. Anna, t'as oublié 2 points. Hein? Balak, t'as oublié 2 points ici. Oh non? Non, ça s'écrit pas. Je crois en algorithmique, Michael, elle a les 2 points. Default, la programmation, il faut faire les 2 points. Il faut pas aussi oublier les breaks. Après chaque instruction, vous mettez break. Vous allez voir ça en programmation. C'est pas un souci. Vous allez voir switch case avec les breaks. Alors, est-ce que. Monsieur Fan, de Oui. l'ordre d'un point virgule, le point. Fin? Fan, de l'ordre d'un point virgule, Ici, point pour le virgule, moment. oui. Point virgule ici. Ah, fin, non, fin, point. Le fin, t'as l'algorithme. C'est point. Oui. D'accord. Alors, est-ce que vous avez d'autres questions? Est-ce qu'il y a d'autres questions, s'il vous plaît, avant de passer à autre chose? Non, monsieur. D'accord. Allons, on va voir l'autre exercice. Donc, on va voir l'exercice numéro 5. Donc, écrire un algorithme pour résoudre chacun des problèmes suivants. Alors, on va prendre le premier problème. Affichage du nombre de lettres majuscules et celui de lettres minuscules à partir d'une séquence de caractères qui se termine par le caractère dièse. Wesh ici? Ma'naha, que vous allez donner la main à l'utilisateur. Et l'utilisateur va pouvoir taper autant de lettres qu'il veut. D'accord? Il tape Wesh Untuma, vous allez afficher les lettres majuscules et les lettres minuscules. Vous allez les afficher. Et vous allez les compter plutôt. Pardon, vous allez les compter. Alors, t'as chacun majuscule, chacun minuscule. T'as le nombre de. Et le programme va s'arrêter, ou l'utilisateur va s'arrêter de taper, quand il va taper le dièse.
quand il va mettre le caractère dièse, c'est là que vous allez arrêter de donner la main à l'utilisateur et vous allez afficher le nombre de majuscules, de lettres majuscules qu'il a tapées et le nombre de lettres minuscules qu'il a tapées. Est-ce que vous avez compris l'exercice? Est-ce que vous avez Non. compris? Non. Alors, Non. je répète, Njil. Donc, le programme Théacom, il est émis Hagda. Vous allez donner à l'utilisateur, vous lui dites, vous allez afficher, donner les lettres que vous voulez. OK? L'utilisateur, il peut taper, Weshihab, il tape A, il tape B, il tape C minuscule, on a un problème, C minuscule, il tape R, il tape, je sais pas, qu'est-ce qu'il veut, U, il tape I minuscule, d'accord? Ensuite, Bashihabes, il tapait dièse. Quand il tape dièse, l'écran, où j'ai affiché, il relou, vous avez tapé, chaque lettre majuscule. 1, 2, 3, 4. 4 lettres majuscules. Vous avez tapé. ماشي اسمع لازم ندير تابلو نحطو فيه كاع Non, لي non, non, لتر non, 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 ما ماجيسكيل تحرقش تابلو ici. Oubliez les tableaux. Ma cache tableau هنا. Vous oubliez les tableaux. Deux lettres minuscules. هنا, je cherche seulement le nombre. D'accord? Est-ce que فهمتوها? Le programme تاعكم لازم هكذا. Ana, je tape ce que je veux comme lettre. Quand je veux m'arrêter, je mets dièse. Et à la fin, je vais dire, vous avez tapé quatre lettres majuscules. Vous avez tapé deux lettres minuscules. Ah, d'ailleurs, il ressemble parfaitement au jeu de dés. Hein. C'est copier-coller. Est-ce que vous avez compris, hein, ce qu'on va faire, ce qu'on doit faire? Monsieur, les conditions, le petit point entre le masculin et le minuscule. Comment? Les conditions, le flip type Bien sûr, de bien variable. sûr, bien sûr, bien sûr. On peut vérifier si une lettre elle est majuscule ou la minuscule. On l'a dit la dernière fois, je vous l'ai expliqué en cours, je crois que c'est le deuxième cours ou le troisième cours, et je vous ai dit qu'on peut comparer parfaitement des lettres entre elles. On peut les comparer, on peut même mettre des intervalles pour la comparaison. Donc, si vous vous rappelez, est-ce que déjà vous avez compris le problème? Est-ce que tout le monde a compris ce qu'on Monsieur. doit faire? Oui. Très bien, je vous donne 10 minutes parce que ça nécessite un petit peu de réflexion plus que l'exercice précédent. N'attendez comme 10 minutes ou la balèque un peu moins pour essayer de réfléchir à une solution. Et n'hésitez pas, il n'y a pas de problème si vous vous trompez. Hein. L'essentiel, essayez de réfléchir à une solution. Donc déjà, je vous pose la question. Qu'est-ce qu'on doit utiliser? Répétez ou Monsieur. l'attendre. Exactement. Exactement. C'est ça. Parce que vous allez répéter autant de fois que nécessaire, mais tu ne sais pas à quel moment tu vas t'arrêter. Mais à la balèche, combien de fois tu vas boucler? Parce que l'utilisateur, il déloue chez Hab. Donc, automatiquement, la réflexion qui vient, c'est que tu ne vas pas utiliser de pour. Tu vas utiliser une boucle, mais ça machi pour. Tu vas utiliser une boucle tant que ou bien répéter jusqu'à. Allez, vous avez 10 minutes pour essayer de. Jusqu'à 10 minutes pour essayer de donner une solution à cet exercice. J'arrête le partage quelques minutes. Alors, est-ce que quelqu'un a une solution à proposer? Est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous entend. Alors, est-ce que quelqu'un a une solution à proposer? Personne? Monsieur, est-ce qu'on utilise genre la table ASCII si genre T'as pas besoin A d'utiliser, t'as pas besoin d'utiliser la table ASCII. T'as pas besoin de connaître les chiffres parce que les comparaisons se font par la machine. Y a la table ASCII. D'accord. La machine, y a la table ASCII. D'accord. Alors, vous avez une solution ou là, je vous montre une solution. Un bac tu es même, monsieur. Alors, allons voir. Monsieur, on a un بعتيها لي وراه ماشي هذا الايميل اي هو الايميل لا ايميل. بعتيها لي باغ ايميل داك. الو يونس سي توا كي انفوي اون سوليوشن Oui. هادي تاع ليكزارسيس بريسيدون هادي الو كيس كي دون Ça الو هنا اكري دوني ان كاركتير لير اف
répéter jusqu'à F. Voilà, déjà, la réflexion elle est correcte. Regardez, d'elle répéter, donner un caractère. Ah, vous n'arrivez pas. Ah, j'ai pas partagé. Attendez. Je vais partager. Une minute. L'enregistrement aussi. Oui, j'ai repris. Alors, comme ça, vous arrivez à voir. Alors, maintenant, voilà, donc ouais, il a utilisé X, Y apparemment pour Yasbehom. Donc, répétez jusqu'à Tabsena. Donc, répétez jusqu'à ce que F égale à dièse. Donc, il y a écrire, donner un caractère. Il va lire un caractère. K, C, C, le C vaut de A à Z. Très, très bonne réflexion. Donc, ça, c'est vraiment une bonne réflexion. Donc, si le K, Adaya, le C, il vaut entre A majuscule et Z majuscule, alors il fait X reçoit X plus 1, en sachant que les X est initialisé à 0. Sinon, ben, le deuxième cas, c'est que s'il est compris entre A minuscule et Z minuscule, ben, on compte le Y qui est égal à Y plus 1. Et là, j'ai un fin de cas qui est à l'intérieur de répéter. Et je fais la même action, je reboucle jusqu'à ce que l'utilisateur il me donne un dièse. Donc une fois atteint les dièses, l'utilisateur il donne un dièse. Je vais quand je rentre dans le cas, ah plutôt non, quand il me donne un dièse, oui. Alors la dernière fois il va donner le dièse, le cas vaut et là je vais voir que le dièse est égal à dièse et je vais sortir. Et à un moment donné, à la fin, je vais afficher le nombre des majuscules qui est le x. Et le nombre des y qui est le nombre des minuscules qui est y. Est-ce que vous avez compris cette solution? Monsieur, Oui. l'algorithme, باش دير ريبيتي عندك من ال زد Oui. ماجيسكيل Oui. زعما تبدا دير ا بي سي هو زعما تاخد دي T'as pas? دي هو زعما محط دي D. ليوتيليتاسيون Eh. دي Voilà المشكل. ما دير لك اكس 1 من بعد تعاود ما C'est تعاود ça. الدور وتجي وتكمل ما دير وراح ماشي تكمل مدي تكمل على حساب لا فالور يعطيها لك لوتيليزاتور على حساب لو كاركتير كي مد. الوغ هنا يا اون بيتيت فوت. الوغ هنا كاي لا بيتيت فوت هنايا يا اون بيتيت فوت كو جي ديتيكتي كي بو مو دير وراه هي لا بيتيت فوت لير غاب فندرو على الاخر لا بوم ليغا لير سي لير سي لير سي فاريابل سي لير سي فهمت يونس تا فيو لا فوت وراه لو اف هذايا تي ليتيليز با دونك هنا سي سي C'est voilà. Donc lire C, donc je lis le caractère. Ensuite, je vais dire K, C, vaut. Et là, je donne les deux K. Donc les deux K, ils donnent des intervalles. Est-ce que vous avez compris cette solution? Monsieur, on fait ça de la faute là. Laquelle? Testé. C'est le caractère qu'il utilise. Mais cache F, il n'y a pas de F. Mais t'as acheté les variables. Ah, ok. Il n'y a pas de F, il y a C. Et alors, tu frappes. C'est une faute de déclaration, voilà, d'utilisation. Ouais. C'est une faute de frappe. Vous avez compris cette solution? Monsieur, donne-moi l'exécution. Ok, bah, on va voir une petite exécution. Donc, Hana, par exemple, Oui. tiens, on va prendre l'exemple Hana pour l'exécuter. Donc, Hana, je vais faire la même chose. Donc, je vais mettre. Comme on a l'habitude de faire insertion, je vais mettre un tableau, une minute. Donc, il y a l'écran le tête. Donc, le programme, il est là. Alors, le programme TACOM, il est là. On va juste rectifier. Ça, donc là c'est un C, ou là C. Alors, là c'est l'écran le tête. Où est-ce qu'il y a? Donc, quand on exécute le programme, où est-ce qu'il y a? Il dit que X. Pardon. Andy X, Y, deux variables. Quelles sont les variables? Andy C. Ou Andy C, qui est trois variables. Pardon. Andy X, Y, C. Ça, quand je commence le programme, quand je commence le programme, qu'est-ce qui va se passer?
Donc j'initialise le x à 0 et j'initialise le y à 0. Comme ça, hadoum à 0, hadoum à 0. OK? Ensuite, touche ND. ND, une action répétitive. Donc là, je vais mettre itération, insertion, colonne à gauche. Donc là, je vais dire itération répétée. Donc là, il y a la première itération. Je suis là. Première itération. Je vais dire écrire. Il y a un tableau. Il faut l'écran. Moi, je vais vous donner un caractère. Vous êtes d'accord ou pas? Oui. Alors, je vais lire un caractère. Attendez, par exemple, l'exemple d'un caractère. Vas-y, attendez un caractère. A majuscule. A majuscule. Qu'est-ce qui va se passer? Donc, K, A, VO. Il y a le A, le C, il y a un intercom, le C que j'ai tapé. Il est compris dans l'intervalle des majuscules. De A majuscule à Z majuscule. Qu'est-ce que je fais? Je fais X reçoit X plus 1. Donc, l'ancienne valeur... Monsieur, t'as x plus 1, oui. On a maintenant un cas où l'utilisateur, est-ce qu'on peut considérer déjà arrobas, double carré? Non, 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 non. On considère seulement les majuscules et les minuscules. La table d'ASCII, entre les lettres, ma cache binatum des lettres. Enfin, je crois que. Est-ce que l'arobas est considéré comme. Oui, un de un. Non, c'est un caractère, bien sûr, mais est-ce qu'il est dans l'intervalle? J'en pense pas. Non, il n'est pas dans cet intervalle. L'intervalle Hadouma, c'est l'intervalle des majuscules, d'accord? Et des minuscules. Mais il est ça. Dans ce cas-là, mais il est ça. Parce qu'on a donné un intervalle. Lorsqu'un utilisateur va taper un arrobas, qu'est-ce qui va se passer? Il tape un arrobas. Alors, il tape un arrobas. Donc, qui dit l'hanaya, K, C, VO. Est-ce que le arrobas il est là? Il n'est pas là. Est-ce que le arrobas il est là? Il n'est pas là. Oui, il est fin de K. Tu as compris? D'accord. Donc, quand il est fin de K, qu'est-ce qu'il sera? Alors, il vérifie, est-ce que le C, il est égal à arrobas ou pas? Est-ce que le arrobas, voilà, le C, il est arrobas. Est-ce que le arrobas est égal à dièse? Non. Non, donc il va répéter. Donc, il va arrobas. Première répétition, d'ailleurs. Deuxième répétition, Shahi Sarah. Monsieur, mais l'utilisateur va entrer une chaîne de caractères, pas un seul. Non. Juste arrobas. Non, il rentre un caractère. Hein. On compte le nombre de caractères. Il tapait un caractère et abs entrer. Caractère entrée. Donc, si qu'est-ce qui se passe si l'utilisateur tape une chaîne de caractères? On prend seulement le premier caractère. Adaouji Sarah, la machine. Si tu mets une chaîne de caractères dans un caractère, si tu mets une chaîne de caractères dans un caractère, il dit seulement le premier caractère. T'as compris? Ok. Oui. Alors, Hanaya, je vais continuer. Donc, le X est égal à 0, le Y est égal à 0. La deuxième itération, je vais demander toujours, écrire, donner, haoulik, hanaktib arrobas, première fois, donner un caractère. C'est la même action qui se répète. Chal, par exemple, ihat hadl marra. Attendez un exemple. Ihat A majuscule. Donc, Hanaya, il tape A majuscule. Quand il tape A majuscule, chal, il X. On y fait la deuxième itération. Chal, il X. Et où il est 1, c'est l'ancien valeur. Allez, c'est parce que le A il est là. Le X est égal à 1 ou l'Y chal? Chal Y? 0. Y 0, il change pas. On bet. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que le A est égal à dièse? Est-ce que le A est égal à dièse? Non. Non. Donc, je répète l'action. Donc, donner un caractère. Donc, on va la troisième itération. La troisième itération, je vais atteindre par exemple. Attendez une valeur. Dièse. Il atteint C minuscule. Par exemple, C minuscule. Qu'est-ce qui va se passer? Le C minuscule, le X, je vais 1. Il est 1. Ou le Y, je vais 1. Il est 1. Là, parce que le C, il est dans cet intervalle. Il va exécuter cette instruction. Est-ce que le petit c est égal à dièse? Est-ce que le head de caractère... Attention à ne pas confondre. Le c, à ne pas confondre, très important. Le c, hada, c'est une variable. Ce n'est pas la valeur du caractère. C'est la variable qui contient la valeur du caractère. Donc, est-ce que le c est égal à dièse? Non. Donc, il va encore boucler. On va aller à la quatrième itération. La quatrième itération, attendez un exemple, une lettre. Donc, il y a un C, tapez un C. Donc, la quatrième itération, il faut lui donner un caractère. Attendez, tu fais un exemple. Oui.
اف نقولوا اف مينيسكول ولا ماجيسكول. كيما تحب. هيا روح نقولوا اف ماجيسكول. دونك اون باد لو كا تاع اف فو اسكو لو ا لو اف الي دون سانت انترفال ولا دون سانت انترفال؟ الي دون انترفال تاع لي مينيسكول. دونك لو اكس يقعد 1 و لو ايغريك شحال يولي؟ 2 يولي 2. اون باد نجي ندير نجي ندير اون بيتيت كومبا. دونك لا ماشين كوني La machine. Donc la machine connaît automatiquement l'intervalle des bien sûr de l'alphabet majuscule et minuscule. هي ما تعرفش الالفابيت تعرف لي كود اسكي تشوف لي كود اسكي لو كود اسكي تاع لي تاع لي تاع الالفابيت justement. Donc le F, est-ce que le F est égal à dièse? Est-ce que le F est égal à dièse? Est-ce que le F est égal à dièse? Non, donc je répète. On va à une cinquième itération. Cette fois-ci, مثلا l'utilisateur va taper donc un F, donner un caractère. Par exemple, cette fois-ci, l'utilisateur il va taper dièse. Qu'est-ce qui va se passer? Où est-ce que ça quand tu tapes dièse? Donc je tape dièse, maintenant. Donc un A, il va venir ici. Lire C, il va lire le dièse. Est-ce que le dièse il est là? Il n'est pas là. Donc le X il est qui marahu. Est-ce que le dièse il est là? Il n'est pas là. Donc le Y il est qui marahu. Et après, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que le dièse est égal à dièse? Oui. Oui. Et à la fin, qu'est-ce que j'aurai comme affichage? Nombre de mages. Nombre des mages. Égal. Égal chal? 5. Égal machi 5. Égal 1. Égal 1. Et nombre de des minuscules? 2. Égal à 2. Est-ce que tout le monde a compris ça? C'est l'affichage à l'écran. Vous avez compris? Oui. Très bien. Alors, une autre petite... Monsieur. Oui. Attends, notre deuxième, monsieur, où il y a un kateb le X. On kateb deux fois une lettre majuscule, là. Où il y a un kateb le A, kateb le A. C'est minuscule. Le C, le C, c'est minuscule. Back le Ousmo, back le Ousmo. Ah, c'est minuscule. C'est le C minuscule, d'accord. C'est le C minuscule. Est-ce que vous avez compris? Monsieur. Oui. Oui. Attendez, je vais accepter. Je vais accepter. Je connais accepter le camp. Oui. تقدر ديكلاري لي كاركتر برك اللي حاب تخدم بهم كومون سا كيس كو تو فو دير زعما كاركتر ديكلاري ا بي سي هادو ماني فاهمين وي بصح هنا تو جو دير من ال بي نحو الزاد من ال بي وي بيان سور تقدر تو دير لي كاركتر تو لي ديفيني لو شون لا ليميت تاع لي كاركتر Bien sûr que ça peut se faire, bien sûr. Mais il y a un problème. Il y a le problème qu'on veut résoudre. Il y a les majuscules et les minuscules. Maintenant, les majuscules, le champ de A à Z majuscules et les minuscules de A à Z minuscules. D'accord. Donc, une autre solution, c'est quoi? C'est que je vais vous montrer une autre solution tout de suite. C'est qu'on fait de cette façon. C'est le même principe. Hein. La solution qu'on vient de voir, elle est encore plus simple. Mais c'est le même principe. Alors, Hena, veuillez introduire une lettre. Donc, il va lire une lettre la première fois. Je vais initialiser le majuscule et les minuscules T à 0. Et je vais utiliser la boucle tant que. Donc, rappelez-vous, on a lu la Mbarra. Parce que on n'a pas encore fait d'action. C'est pour ça qu'on lit Mbarra. C'est le même principe pour les dés. Hein. Qui m'a qu'on a lire la face. Donc, on lit la lettre. À l'intérieur, ensuite, tant que lettre est différente de dièse, d'accord. Alors, qui va écrire le programme différent? Ou à mettre différent, égal. Donc, tant que lettre est différente de dièse, faire, on a cette comparaison. Si lettre est supérieure ou égale à A et lettre est inférieur ou égal à z, maintenant c'est l'intervalle, d'accord? C'est l'intervalle des minuscules. Alors, le nombre minuscule reçoit le nombre minuscule plus 1. Vous avez compris? Sinon, ou je maintiens sinon, si il y a une autre comparaison, ou alors, Hanaya, dert Hanaya, le. Qui peut me dire Hanaya? Ou alors, dert Hada le deuxième si? Celui qui suit avec moi. Ou alors, dert un deuxième si? باش ما يكونش point d'interrogation ولا arrobas ولا خلاص. Exactement, parce que tout ce qui est en dehors de l'intervalle هذا, c'est tous les autres caractères, y compris
arrobas, intervalle, etc. Point d'exclamation. Donc, l'intervalle. Je spécifie l'intervalle pour que ça soit précis, spécifique. Donc, si lettre est supérieure ou égale à A majuscule et lettre est inférieure ou égale à Z majuscule, l'intervalle est là. D'accord? Je fais nombre majuscule reçoit nombre majuscule plus 1. Et ainsi de suite, je boucle. Alors, là, attendez. Bien sûr, écrire, donner le caractère suivant. Je vais lire une deuxième fois, donner le caractère suivant, et je répète. Je répète encore une fois. Est-ce que vous avez... Je répète le même traitement, jusqu'à ce que je sors avec dièse. Et après, à la fin, j'affiche les nombres majuscules et les nombres minuscules. Est-ce que tout le monde a compris ça? Oui, monsieur. C'est clair. Oui, pour vous avez utilisé la boucle tant que on va utiliser jusqu'à pour, c'est tout. Ou, non, la différence déjà de 1, c'est que il y a la boucle tant que, mais la deuxième différence, c'est que l'autre solution, c'est un caveau. Ou il n'y a pas de caveau, c'est des instructions conditionnelles. D'accord. Tout le monde a compris ou il y a quand même des questions? Dites-moi, s'il vous plaît, si vous avez compris, pour qu'on clôture. Ou la quinte des questions. Tu veux dire que tu as une ou je n'ai pas dit tu as en présentiel. Inch'Allah, Inch'Allah. Oui. Quand on se reverra en présentiel, on va faire une petite synthèse. Je n'ai pas compris. Je n'ai pas compris. Oui, je n'ai pas compris. Ou le premier exercice. Je n'ai pas compris. Ah, c'est l'exercice. Je n'ai pas compris. Même le caveau. واش كنا نديرو مقبل اكزرسيس 5 مثلا ما باش ميم باش واش ديموندي بون moi je vais te faire une petite explication parce qu'on va pas répéter tout l'exercice on va te chauffer la vidéo sur YouTube ou تبع مليح. Alors ici le but c'est quoi? C'est que tu mets dans l'utilisateur il va taper des lettres, il tape des caractères, il tape sur le clavier A B C etc. نتايا le but c'est quoi? تحسب له شحال il a introduit de caractère majuscule ou shell, il a tapé de caractère minuscule. Est-ce que déjà femme t'aide le problème? Est-ce que tu as déjà compris ça? Oui, oui, oui. Je répète. Lazem t'hseb shell, l'utilisateur tapa min majuscule, shell tapa min minuscule. C'est ce qu'on essaie, en train de faire. C'est ce qu'on est en train de faire. Pour cela. Excusez-moi, monsieur. Comment? Excusez-moi, oui, bien sûr, docteur. Donc, je vais vous libérer. Je suis en train d'expliquer. Je suis en train d'expliquer à ton camarade. Donc, je vais. Ouais, là, j'ai un comme cours, docteur. Donc, j'explique à ton camarade et je vous libère. Donc, Hanaya, est-ce que tu as déjà le problème? Oui, je comprends. Ça, donc, qu'est-ce qu'il y a pour faire ça? Pour compter le nombre de majuscules. Il dit que tu as fait le tapis comme il veut, jusqu'à taper le dièse. Pour que tu fasses, tu ne fasses pas. Donc, tu mets dans l'utilisateur la main, il va taper. Donc, tu vas boucler combien de fois? Tu vas boucler jusqu'à quand? Alors, je te pose la question. Pourquoi tu fasses? Qui est tapé le dièse? C'est ça. Donc, il y a des répétés. Exactement, il a le hashtag. Donc, je vais répéter. C'est ce qu'on a fait. Répéter jusqu'à. Dans l'autre solution, il me dit qu'il y a un temps que. C'est la même chose. Quand le temps que est répété, tu peux dire la même chose. Sauf que ici, on a utilisé jusqu'à. Répéter jusqu'à. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Répéter. Nous allons lui donner un caractère. نحسب هذاك لو كاركتير je le lis plutôt نقراه ensuite je vais compter je vais voir est-ce qu'il est majuscule ou minuscule اذا كان majuscule واش معناها معناتها راهو في هذا الانترفال est-ce que déjà على بالك comment marche le caveau est-ce que tu تعرف كيفاش يمشي le caveau باينه ماشي ما فهمتش كيفاش دار ما فهمتش شغل الكيستيون واش تقصد دوكا فهمتها دوكا فهمتها صاي très bien donc on ben quand tu vas voir la c'est bon
Voilà. Le hashtag, c'est la marque de fin. C'est Oui. bon, t'as compris? Oui, c'est bon. C'est bon. Merci. Donc, si t'as pas, si tu veux voir le déroulement, on bête, chauffe la vidéo sur YouTube et tu verras où Shannon. Tu verras galer des vrais. D'accord? Inch'Allah. D'accord. C'est bon. Est-ce qu'il y a d'autres questions avant de clôturer la séance? Monsieur, Oui. دحين هو قال يبقى بس الالفابت letters. انا دحين يعني اليوزر حيدخل بس الالفابت، ليش لازم يعني اقول انه اذا ما كان الفابت يعني لا تدخله زي كذا؟ لا 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 يدخل الفابت ولكن يدخل مارك دو فان تو the symbol of the end of the program donc pour que l'utilisateur pour que la machine تفهم وين تحبس. Est-ce que فهمتيها؟ نو no, انا اقصد يعني مثلا احنا حطينا هذه الاور باسك هو اليوزر ما حيدخل غير الفابت سو so, يعني انا ليش يعني اسوي اف لا لا ذا يوزر انا ما حطيناش انا ما 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 حطيتش يطابي اروباس اروباس هو خياره يختار يطابي واش يحب دونك اون بعد هو ان انتيريور كي ندير لو تريتمون نفيريفي اسكو طابا ماجيسكول ولا مينيسكول باش نحسبها هو حر يطابي واش يحب ولكن اذا طابا دياز هاشتاغ نعرف انه يحبس نعرف انه سي بون راهو كمل كمل لو تريتمون كمل الخيارات تاعو اسكو فهمتيها ولا بالك انا ما فهمتش لا كيسيون تاعك هو مو صح دحين هو بس اليوزر حيدخل بس letters راح يدخل نو هو حر يدخل واش يحب ولكن انا اوتون كو بروغرامور لا ماشين نقول لها خذي بعين الاعتبار غير لي لاترز اوكي طيب اسكو واضح اسكو مفهوم وي سي دونك سي بابي ان اروباز ما حيصرا والو با تو دو ميديا وي تو تالور قلت لها هضرنا عليها وكان طابي اروباز يعني انا طابيت اروباز هنا واش يصرا هنايا rien ما حيصرا والو يروح لفانكا Et je vais encore répéter. Ouais, parce que arrobase n'est pas égal à dièse. Zid, est-ce que quelqu'un a des questions? Est-ce que quelqu'un a des questions? Yani, لازم أدرس اللي حيسوي واللي ما حيسوي. نعم. يعني أرى اللي حيدير واللي يعني كيف نقولوا فيريفي بالعربية؟ ما راحت لي كاع نقولوا كيف نقولوا فيريفي؟ ما اتحقق فوالا نتحقق من واش من واش حق احنا تلمو من بارتيكيش العربيه الفصحى راحت لنا الوغ هنايا اتحقق اتحقق لا 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 ليتر لي طاب دونك نشوف اسكو هذاك لا ليتر الي ماجيسكول ولا مينيسكول ما بيش مي با بالعربيه كيفاش نقولوا ماجيسكول مينيسكول كابيتال وسمول كابيتال ليترز ان انجلش اند يس دونك اسكو كابيتالز اور نوت دونك هنا جو فيريفي اسكو سي ماجيسكول اذا كانت ماجيسكول نحسبها نحسب لو نومبر يعني العدد نزيد له واحد واذا كان مينيسكول نحسب ايضا نزيد له واحد ومع الاخر كي طابي دياز يعني كي خير اليوزر chooses to exit the program يعني يطابي دياز نخرج من لابوكل اي ا سو مومون لا جو في افيشي نعطي له عدد الماجيسكول اللي طابا اعداد عدد الماجيسكول اللي طاباهم وعدد المينيسكول اللي طاباهم اسكو فهمتي ايوه تري بيان شكرا عفوا اسكو كاين دوتر كيستيون افون دو كلوتوري نو مسيو سي بون تو لو موند ا كومبري نيزيتي با il faut pas être timide hein, si vous avez des questions moi je vous répète je suis là pour vous expliquer c'est mon rôle donc et aussi qu'il y a une chose importante monsieur mais bien est-ce qu'ils interrogent les tests mais qu'est-ce que ah j'allais le dire me dit que fikrtni probablement mais il faut déjà je vais vous le dire ma cache non je vais pas ah, oui. donc probablement la semaine ta présentielle prochaine dès comme une petite interro OK une petite interro il troll il troll bien sûr il troll dès comme une petite interro Et on s'arrête ici. Je vous dis bon courage à vous. Et à la semaine prochaine, Inch'Allah, ça sera en ligne. Et ça sera le lundi à 10h. Allez.
Et n'oubliez pas le TP demain. D'accord? Inch'Allah. Inch'Allah. Merci. Allez, bonne fin de journée à vous merci et à assalamu alaikum. toi aussi Merci. Alors. Salam.